مساء الخير، بونسوار تو لو موند. عيد مبارك سعيد، الله يدخله بالصحة والسلامة، كل عام وأنتم ألف خير، وتقبل الله منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. Nous sommes heureux aujourd'hui de clôturer la série de webinaires organisée par l'AMPBD pendant ce programme des soirées ramadanesques de l'AMPBD. Voilà, et nous avons le grand plaisir d'accueillir avec nous Dr Rachid Kal, que je remercie infiniment pour d'avoir accepté notre invitation pour animer ce sujet aujourd'hui et pour vous souhaiter aussi, je souhaite aussi la bienvenue à tous nos amis qui viennent d'autres continents, d'autres pays d'Afrique. Merci pour Dr Lesri qui a accepté d'animer ce webinaire. Eh bien, je vous souhaite une très très bonne lecture. Eid Mubarak Saïd. Merci. Merci. Docteur Lesri, à vous la parole. Alors, bonsoir, merci chère présidente, chers collègues. Donc, on arrive à la fin de notre série de webinaires. Comme il y a le Khicham ou au Misk le Khicham, Inch'Allah, mais le docteur, notre cher ami, c'est Rachid Bqal, qui va nous présenter ce soir un sujet intitulé l'implantologie du simple complexe. Donc, comme vous savez tous, on ne peut pas parler de Rachid Bqal sans parler de Dental.learning, qui est le cofondateur, et aussi on ne peut pas parler de Rachid Bqal sans parler de Digital Dentistry, qui pour moi, si j'ose dire, le parrain de Digital Dentistry au Maroc. Donc, Rachid, il existe en pratique privée depuis 2004. Il est titulaire de plusieurs certificats, dont un certificat d'implantologie et de chirurgie orale, et aussi un certificat en prothèse. Donc, il est aussi ambassadeur du Maroc, du Digital Dentistry Society International. Donc, Rachid, à vous la parole. Merci, Dr. Lesri. Merci, l'AMPBD. Merci, la Noël. Bonsoir, tout le monde. Très heureux d'être avec vous ce soir. Oualen, mbrouk awesherkoum, aïdkoum moubarak saïd. رمضان مبارك وخا وصلنا النهاية ديالو إن شاء الله كل الدعوات كل الصلوات مقبولة والله الله يعطينا صحتنا جميعا الله يكون منا كوموندي وكاع المتمنيات الطيبة إن شاء الله مقبولة عند ربي. Alors pour ce soir avant tout, je vais remercier encore une fois l'AMPBD de m'avoir invité ce soir. Je remercie Dr Lesri pour ses gentils mots. Parrain, non, je dirais pas parrain, je suis un passionné comme vous tous d'ailleurs. Ganes, je suis sûr qu'ils sont avec nous ce soir en direct, là, qui vont voir ce live après. C'est des passionnés de la dentisterie. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de la dentisterie en général, hein, sans parler de la dentisterie digitale. C'est quelque chose qui nous est tombé dessus. Où là, on a rattrapé un train qui est en marche et puis il faut s'y mettre. C'est un domaine qui est très intéressant, très passionnant, mais surtout qui nous apporte beaucoup de choses, et on va le voir aussi la conférence tout à l'heure, on va en parler, c'est normal, que c'est des choses qui simplifient la complexité de notre travail. Et donc ça, si vous voulez, c'est un peu le sujet, le topic d'aujourd'hui. C'est que j'ai choisi pour vous un implantologie simple complexe, c'est pas pour montrer des choses énorme, des choses difficiles. Au contraire, c'est de montrer une façon de réfléchir, une réflexion par rapport à comment appréhender les cas cliniques que nous avons tous les jours au niveau de notre cabinet, de manière raisonnée pour que la chose, quelle que soit sa complexité, puisse être simple dans son exécution. Comme on dit, je vais passer donc sans plus tarder à la présentation. En partageant les diaporamas avec vous,
À la barakatil. Donc, alors, on ne peut pas parler de simplicité, on ne peut pas parler de complexité sans revenir à certaines bases, à certaines bases scientifiques, à certaines bases biologiques, pour un peu asseoir quand même une seule plateforme sur laquelle juger, finalement, être critique par rapport à notre propre travail. Dans la recherche de l'excellence en général, il y a tout, on revient toujours à ce qui est démontrable, à ce qui s'assoit sur des preuves scientifiques et médicales, pour arriver en fait à des choses répétitives, réitératives, et surtout des protocoles d'exécution dans le daily work d'Yana, comme on dit, en implantologie bien sûr. C'est-à-dire retrouver tout ce qui va faire le succès de l'implantologie, que ce soit unitaire, partiel, total, etc. C'est-à-dire finalement une prothèse qui se fit bien dans son environnement biologique et qui s'assoit sur un implant qui est aussi bien ostéo-intégré. Donc, on va dire deux volets, c'est l'ostéo-intégration et l'autre volet, c'est le tissu intégration, la biologie intégration, si vous voulez. C'est-à-dire que on ne peut plus parler aujourd'hui que d'un implant dans son os, mais on doit parler aussi d'une prothèse supra-implantaire qui s'intègre complètement, biomimétiquement, dans son environnement biologique, naturel, c'est-à-dire la gencive, les profils d'émergence, la beauté de ce rose qui finalement reflète la beauté du blanc qu'on ramène au niveau prothétique, etc. Donc l'objectif, comme j'ai dit, de cette conférence, c'est de partager avec vous une réflexion, une façon de travailler, d'accord, qu'on va voir au niveau de certains cas cliniques. Et comment pallier à certains problèmes quotidiens qu'on trouve tous les jours, qu'on peut rencontrer tous les jours de manière simple, toujours une réflexion en amont, ne pas être dans cette chirurgie où il faut tout réfléchir sur place. Aujourd'hui, grâce à beaucoup d'outils, surtout à la dentisterie digitale, encore une fois, et cette intelligence artificielle qui vient avec, on peut se permettre aujourd'hui de prévoir tellement de choses que finalement la chirurgie implantaire devient une exécution à part entière et que toute la réflexion a été faite avant d'attaquer le sujet. Alors, le plan de la conférence, il est comme suit. On va voir rapidement comment simplifier la communication avec son patient, parce que c'est quelque chose de très important. On parle beaucoup d'implantologie, on parle d'implantologie, comment intégrer l'implantologie dans son cabinet, etc. Mais ce patient-là qui arrive devant nous, il a beaucoup d'appréhension, il a beaucoup de préjugés, il a beaucoup d'idées, il a Google surtout avec lui, qu'on le veuille ou pas, on peut dire heureusement parfois, mais généralement c'est malheureusement, parce qu'ils viennent avec des idées un peu préconçues, etc. Il faudra remettre les points sur les i, d'accord? Et pour cela, il y a des outils, encore une fois, pour simplifier cette communication. Simplifier les diagnostics, le plan de traitement, la chirurgie et la prothèse. Donc c'est ça notre plan de cette conférence. Alors pour la communication, je vais passer rapidement. C'est juste que aujourd'hui, vous avez plein, et il faut les avoir. Vous avez plein d'outils au niveau internet, au niveau d'applications, etc., pour venir et simplifier cette communication avec votre patient, pour lui expliquer exactement quelles sont les étapes à venir. Parce que nous, en tant que professionnels, on est un peu biaisés, c'est-à-dire que on croit que tout le monde comprend ce qu'on dit, mais finalement, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et parfois, ce malentendu au niveau plan de traitement, au niveau d'explication, va faire que tout au long de la prise en charge de ces patients-là, on va se retrouver à revenir sur des points sur lesquels le patient n'a pas compris, ou comment expliquer surtout les complications. Parce que qui dit chirurgie, il y a toujours des complications mineures ou majeures. C'est tout à fait normal, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Et ce genre de complications, le patient doit savoir que ça peut arriver et lui expliquer que c'est des choses tout à fait, on va pas dire banales, mais c'est des choses gérables, d'accord? Et donc cette communication beaucoup plus simple à établir quand vous vous appuyez sur certains tools. Là, je partage avec vous un logiciel que j'ai. Je vais pas citer, non, c'est pas l'objectif, mais c'est juste pour vous donner une idée comme quoi
comme ce que vous êtes en train de voir avec moi aujourd'hui. Maintenant, c'est un plan de traitement, par exemple, pour un édenté total, où je lui donne le choix sur un ovale denture en bas sur une barre et en haut sur un bridge fixé. Mais comment vous êtes, comment expliquer à un patient que vous allez poser 4-6 implants, qu'il y aura une barre dessus, etc., sans qu'il y ait une image qui simplifie, encore une fois, cette communication. Donc, il est important, important pour instaurer une confiance et instaurer un climat de sérénité tout au long de votre prise en charge, de bien expliquer les choses à vos patients, leur communiquer tout le plan de traitement de manière simple, de manière bien didactique, etc. Encore une fois, il y a ce genre de logiciel qui vous permet aussi d'envoyer tout le plan de traitement avec votre vue en simplifiant, digitalisant les choses, en envoyant tout simplement un QR code par WhatsApp, encore une fois. Le digital est partout et ça lui permet en fait de revenir sur toutes les explications que vous avez mises que en scannant ce QR code qui lui appartient, qui est personnel et qui aussi permet surtout en fait de garder le secret professionnel puisque ce n'est plus, c'est une diffusion assez, assez personnelle. C'est-à-dire que c'est le QR code n'existe que pour 100 plans de traitement. Donc la diffusion est beaucoup plus sécuritaire. Bien, alors, encore une fois, le patient sur fauteuil, qu'est-ce qu'on peut encore aller plus loin par rapport à ce qu'on faisait avant, des photos, etc., peut-être parler là. Aujourd'hui, grâce aux empreintes numériques plutôt, grâce aux empreintes numériques, grâce au scan face, tout ça, on va en revenir un peu. C'est-à-dire que nous pouvons tout acquérir en une séance, et pouvoir établir une très bonne communication avec nos patients pour lui expliquer exactement ce qu'on va faire grâce aux empreintes numériques, grâce à l'acquisition numérique. Et ça prend très, très peu de temps, très, très peu de temps, et ça permet de bien expliquer les choses et de bien instaurer, encore une fois, ce climat de confiance. Il est important de voir dans le digital, ce n'est pas juste un outil d'exécution, c'est un outil aussi de communication, de plan de traitement, de stratégie, etc. Et donc, instaurer cette digitalisation tout au long de votre processus, c'est quelque chose de sûrement bénéfique. Alors, par rapport au diagnostic, je vais dire qu'il y a une équipe. Il y a une équipe de diagnostic sur laquelle on ne peut pas... c'est une équipe qui joue toujours ensemble. On ne peut pas les dissocier. Et cette équipe-là, ben c'est simple. Vous voulez réussir de l'implantologie, il faut respecter ces quatre principes. La biologie, la fonction, l'esthétique et la compétence. Quand je dis compétence, c'est-à-dire qu'au-delà de l'expérience, etc., c'est les outils que vous allez acquérir tout au long de votre exercice pour pouvoir appuyer votre expérience. Donc la biologie... Elle n'a pas changé. La biologie, c'est très simple. La science a été claire depuis le début. Pour respecter un succès implantaire, il faut respecter la biologie. Pour respecter la biologie péri-implantaire, au niveau osseux, on a toujours, et j'insiste, même si c'est quelque chose qui paraît banal, les 2 mm au niveau vestibulaire, au minimum. Pourquoi ? Parce que tout simplement, lorsqu'on est en deçà de ces 2 mm-là, on commence à titiller la corticale osseuse. Quand on commence à utiliser titiller la corticale osseuse, ce qu'il faut savoir, c'est que cette corticale est très, très peu vascularisée. Elle a un métabolisme, c'est-à-dire que son ratio apposition-résorption est très, très faible. Et donc, au niveau de son épaisseur, il est très facile de perdre finalement cette corticale malgré sa résistance, malgré, on va dire, sa force. Mais elle est fragile finalement parce qu'elle est peu vascularisée. Et comme on vient créer une blessure, parce que l'implantologie, n'oubliez pas, c'est une blessure. On va blesser l'os et donc on va attendre qu'il cicatrise. C'est ça l'ostéointégration. Et quand on est devant un os qui est très peu vascularisé, il aura des difficultés à cicatriser. Et c'est le cas de la corticale. Et c'est pour ça qu'on vous demande et que la science nous demande depuis toujours de respecter cette distance
au niveau vestibulaire, lingual, médial-distal, c'est-à-dire tout autour de votre os, un lit osseux de 2 mm pour pouvoir asseoir votre implant dans un lit trabéculaire où la vascularisation est là et finalement permettre une bonne cicatrisation osseuse autour de vos implants. Par rapport au tissu mou, ben, c'est le même principe. Il faut respecter son épaisseur, il faut respecter son phénotype. Quand je parle d'épaisseur, c'est-à-dire qu'il faut un sertissage de tissu kératinisé autour de vos implants qui est toujours de 2 mm. On demande encore 2 mm. Le phénotype, lui, peut être amélioré. Quand on parle de phénotype, pour banaliser les choses, c'est la gencive fine ou gencive épaisse. Quand vous êtes devant une gencive fine, ben, il faut l'épaissir et on va voir que c'est pas si extraordinaire que ça. On n'a pas besoin on n'a pas besoin d'aller vraiment dans des choses très compliquées. Il y a de quoi faire tout autour de vos implants en général pour changer ce phénotype, l'améliorer et permettre un bon succès implantaire à long terme. Alors, par rapport à ces 2 mm, par rapport à ces 2 mm, c'est juste pour un peu les visualiser devant nous. C'est ça, c'est que finalement, quand vous faites votre pré-trou, vos pré-forages au niveau pilote pour juste vous positionner, c'est toujours instaurer une bonne distance par rapport à la buccal side, c'est-à-dire à la table vestibulaire. Comment améliorer les tissus mous? Vous le savez très bien. Il faut épaissir encore une fois cette face vestibulaire et vous avez plusieurs techniques qui sont décrites et redécrites, etc. Comme sur ce cas, je vous montre tout simplement une technique du rouleau qui est vraiment la chose la plus banale à faire au niveau la plus simple, au niveau de vos implants au quotidien. Ramenez ce morceau de gencive kératinisée qu'on va dékératiniser, comme vous le voyez, j'espère que la flèche, vous la voyez avec moi, à ce niveau-là, c'est-à-dire on va dékératiniser ce bon morceau palatin, on va l'enlever en épaisseur partielle. Pourquoi épaisseur partielle? Pour laisser la chance à une bonne cicatrisation par rapport au volet palatin que vous allez dénuder et qui va rester en cicatrisation secondaire, en deuxième intention, et puis ramener tout ce morceau vestibulaire et l'instaurer au niveau du buccal side et ensuite poser votre vis de cicatrisation pour pouvoir épaissir. Et donc on passe finalement à une situation esthétique 1 et 2 biologique qui était défavorable à ce niveau-là, à une situation beaucoup plus favorable à ce niveau. Pourquoi? Parce que tout simplement on a permis à cet implant d'avoir une assise de tissu kératinisé qui va lui permettre 1 d'intégrer la prothèse d'une manière beaucoup plus esthétique, mais aussi de créer l'espace biologique, un péri-implantaire fort, épais, et qui va résister à l'agression, finalement, à l'agression mécanique de tout au long de la vie de cet implant. Donc, pour la biologie, je ne vous apprends rien, c'était juste un rappel. Pour la fonction, pour ne pas, comment dire, compliquer le message, parce que il y a la fonction au niveau unitaire, il y a la fonction au niveau partiel, et la fonction au niveau total. Mais en général, il y a trois principes très importants qu'on va voir à chaque fois, d'accord? Et ces principes-là, ils découlent de ce que d'un système, d'un précepte qu'on appelle l'IPO, qui peut se lire en anglais et en français aussi, c'est Implant Protected by Occlusion, ou l'implant protégé par l'occlusion. C'est-à-dire que finalement, votre implant, quand vous posez un implant, la prothèse ne doit pas venir agresser cet implant. Toute la conception prothétique supra-implantaire doit être complètement différente par rapport à votre conception prothétique supra-dentaire. Pourquoi? D'abord, au niveau de la sculpture occlusale, on essaie d'effacer au maximum les angles vifs. Il ne doit pas y avoir d'angles vifs au niveau de vos prothèses supra-implantaires. Il faut émousser les sculptures, ne pas avoir des cuspides très proéminentes, parce que ces cuspides-là, au niveau de la mastication, vont donner tout simplement des forces de cisaillement. Et il n'y a pas pire que les forces de cisaillement, les forces latérales pour l'équilibre biomécanique au niveau implantaire, c'est-à-dire tout ce qui est pilier vis implant,
etc. Donc, ces forces latérales vont faire à chaque fois que c'est ça qui va donner soit des dévissages, soit des fractures de céramique, des chèpes qui sautent, etc. Au pire des cas, des casses de vis et ainsi de suite. Au niveau de l'occlusion interarcade, plutôt interarcade, il faut, on rétablit une occlusion qui est déjà là finalement, c'est-à-dire que une cuspide palatine supérieure qui va buter au niveau de votre fosse centrale inférieure, une cuspide vestibulaire inférieure qui doit buter au niveau de votre fosse centrale supérieure. C'est-à-dire qu'on finalement, on respecte ce qui a été décrit par la nature, par Dieu. Tout simplement. Par contre, la chose qui est importante à ramener, c'est ce diamètre vestibulo-lingual de vos prothèses. Les diamètres vestibulo-linguales de vos prothèses supra-implantaires doivent toujours être réduits par rapport à une dent restaurée sur racine dentaire. Pourquoi? Parce que la racine dentaire est assez large, elle est anatomique. La forme est anatomique, elle est là pour comment dire, émerger d'une manière naturelle et donner cette forme à la dent. Par contre, au niveau implantaire, nous avons un clou qui fait 3, 5, 4, 4, 5, 4, 6, 5, mais c'est un clou qui est rond. Et sur ce rond-là, on va ramener un volume, d'accord, mais qui finalement doit être homothétique à ce diamètre-là. Plus on va aller en vestibule lingual, plus on va créer ce qu'on appelle des porte-à-faux. Et donc, automatiquement, ces porte-à-faux, encore une fois, vont nous ramener des forces latérales qui sont loin du centre de gravité de votre implant. Et ce qui va donner des bascules à long terme. Nous parlons d'une mastication par de milliers de cycles par jour et on parle de millions de cycles au niveau du vieillissement de votre implant. Donc, n'imaginez pas que c'est juste une question d'impact vertical tous les jours. C'est plutôt des forces dans tous les sens. Et donc, plus vous avez cette surface qui va au-delà de ce clou qui est central, plus vous avez des basculements micro, mais qui vont se répercuter à long terme et pouvoir dévisser, fracturer, etc. Donc, c'est une chose, en fait, que vous allez ressentir dès que vous allez poser votre prothèse au niveau implantaire, c'est que le patient, la première chose qu'il va dire, c'est que la dent, je la sens un peu petite par rapport aux dents voisines. Encore une fois, ça, c'est de la communication. Il faut bien expliquer que c'est pour protéger l'implant, pour protéger la prothèse et pour aller vers une pérennité. Donc, par rapport à la fonction, là, je vous ai résumé un peu les deux ou trois préceptes qui sont très, très importants. Pour l'esthétique, que dire de l'esthétique? L'esthétique ne change pas, en fait. L'esthétique ne change pas parce que c'est le même principe. Nous avons un ratio blanc-rose qu'il faut respecter. Nous avons des zéniths dentaires, d'accord? Nous avons des formes dentaires. Nous avons une teinte, des couleurs. Et de la micro et macro sculpture. Et c'est le même principe que vous soyez sur dent ou que vous soyez en restauration composite ou que vous soyez supra-implantaire. D'accord? Pourquoi il faut bien respecter tout cela pour éviter ce genre de choses? C'est-à-dire que éviter des échecs esthétiques. Et les échecs esthétiques viennent en général parce qu'on n'a pas respecté la biologie. En général. Pourquoi? Parce que faire ostéo-intégrer un implant est chose facile, entre guillemets. C'est chose facile. Poser un implant et attendre que l'os tienne dessus et qu'il y ait cette relation en même temps mécanique et biologique entre lui et l'os, c'est assez facile. Mais au-delà de ça, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que cette chape blanche vienne s'instaurer dans un lit rose qui soit convenable et qui soit surtout biomimétique par rapport à ce qui se passe à côté. Et donc, finalement, revenir sur ce que dicte la biologie, finalement, c'est quoi? C'est une bonne corticale osseuse bien protégée, d'accord? Un bon galbe osseux qui est lui-même protégé par un bon galbe de tissu gingival. Et tout ça, finalement, nous dicte comment il faut réfléchir à nos chirurgies et non plus rester cloîtré sur ce lit osseux où mettre l'implant, les diamètres, la longueur, etc. Tout ça, c'est dépassable. Ce qui vient après, la plupart des échecs qui viennent après, c'est finalement
quand on positionne mal notre implant par rapport à la prothèse. Et donc, finalement, c'est la prothèse qui va décider de l'emplacement de l'implant. Et on va voir comment la planification digitale a aidé énormément à ce niveau-là. D'accord? Aussi, au niveau prothétique, il faut toujours quand même avoir une bonne équipe derrière pour pouvoir ramener des shades, c'est-à-dire ramener vraiment des couronnes qui puissent vraiment s'intégrer complètement dans l'environnement dentaire qui suit, surtout quand vous avez des dents unitaires antérieures. C'est, pour moi, c'est un des plus gros calvaires parce que on doit, un, instaurer la dent dans son intégralité, c'est-à-dire le bon axe implantaire, la bonne position, la bonne forme et la bonne teinte. Ça demande énormément de travail. Pour moi, c'est les cas les plus durs, les cas les moins simples. C'est les centrales et la latérale, parfois même les canines, c'est-à-dire c'est des single tooth intérieurs, antérieurs. Ça, c'est les cas les plus durs à mener, surtout lorsque vous avez des sourires qui sont assez hauts, c'est-à-dire une ligne de transition entre la cosmétique et le naturel qui est assez haute. Et donc finalement, tout ce que vous posez est complètement dégagé. Et donc là, le passage entre votre cosmétique et la gencive doit être vraiment bien intégré par rapport à l'environnement. Et ça, donc, il faudra bien, comment dire ça, manager tout ce qui est gencive, tout ce qui est papille, tout ce qui est support osseux, etc. Ça, c'est pour moi, c'est les cas les plus difficiles. Et enfin, les tools, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme outil? Mais on en a, mais gravement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a plus ce problème de où débuter ou finir, que ce soit au niveau du workflow chirurgical ou du workflow prothétique, la dentisterie digitale, elle est là pour aider. Il faut le comprendre, il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'au niveau de la chirurgie implantaire, que ce soit l'acquisition des empreintes pré-implantaires, des projets prothétiques pré-implantaires, tout ce qui est DICOM, Meconium, 3D, etc., et tout ce qui est logiciel artificiel et intelligence artificielle, tout cela va permettre de bien planifier. Ça veut dire bien planifier, c'est-à-dire tout voir à l'avance. C'est ça, là, une planification. C'est tout voir à l'avance. Bien voir sa prothèse idéale, où est-ce qu'elle doit être, et par rapport à cette prothèse, bien voir l'implant, où est-ce qu'il doit être. Et c'est là où on va finalement venir et manager cet os autour de notre implant, qui, lui, est déjà, comment dire, on a déjà décidé de son emplacement. Et donc, c'est à nous de faire cette ingénierie tissulaire autour de l'implant pour respecter finalement un implant qui respecte la prothèse. Et c'est là tout l'intérêt de la chirurgie guidée. Une chirurgie guidée, encore une fois, n'est pas là pour faciliter l'acte chirurgical. Oui, elle le facilite, mais son but primaire, c'est de respecter la planification prothétique supra-implantaire. Et c'est ça le but de la chirurgie guidée. Au niveau du workflow prothétique, c'est toujours la même chose. C'est une acquisition avec des logiciels qui vont nous permettre de concevoir des choses, soit en positif, soit en négatif. C'est-à-dire, soit on va aller sur de l'impression aujourd'hui 3D, soit on va aller sur de l'usinage, encore une fois. Et finalement, on va recevoir des prothèses qui sont, comment dire, très, très bien précises. Aujourd'hui, le degré de précision de nos prothèses est à un niveau extraordinaire grâce aux machines qui nous entourent. Je vais dire machines qui nous entourent, mais ces machines-là sont finalement dirigées par l'intelligence artificielle, par des logiciels et par donc de la dentisterie digitale. Donc, en faisant un peu ce tour d'horizon au niveau diagnostic, concernant le traitement, le plan de traitement, la chirurgie et la prothèse, j'ai préféré finalement partir sur des cas cliniques. D'accord? Et au fur et à mesure des cas cliniques, vous allez les voir, on va faire augmenter un peu la difficulté, en fait la complexité, mais l'objectif, ce n'est pas de vous montrer des choses, enfin si, des choses difficiles, non, c'est de vous montrer que même les choses difficiles peuvent être faciles quand on est bien outillé. C'est ça le plus important. Alors, pour revenir un peu à la littérature, pour revenir un peu à la littérature, ça c'est un synoptique tout simple qui permet d'aller à l'implant et de voir
au niveau de votre conception, de votre planification, comment passer de l'implant, est-ce qu'on est en antérieur, est-ce qu'on est en postérieur, et puis décider de quel est le plan de traitement idéal. C'est-à-dire qu'en antérieur, en général, le choix de l'implant va se faire soit vous êtes en soft tissue, soit en bone level. Pour les gens qui ont besoin de précision, le bone level, c'est les implants les plus répandus, que ce soit au niveau du marché marocain. Je pourrais même dire au niveau mondial, les bone levels, c'est les plus répandus, ce sont les implants qu'on connaît, c'est les implants qu'on enfouit à 0,5, 1, 2 mm sous l'os. Par contre, les soft tissue level, c'est des implants qui vont avoir cette espèce de coiffe, okay? Cette espèce de coiffe qui fait partie intégrante de l'implant et qui, elle, va sortir un peu au niveau supra-osseux et va faire intégrer la gencive autour de l'os. Donc, déjà, ce premier choix va faire une grande différence de quel sens vous allez aller au niveau prothétique? Parce que quand on parle de soft tissue, on a beaucoup moins de choix au niveau d'accastillage, au niveau prothétique. Par contre, le bone level, lui, va permettre d'avoir beaucoup plus de choix. Parce que c'est, on va dire que l'ingénierie est allée plus loin dans ce sens, tout simplement. Au niveau, quel que soit l'emplacement de l'implant, antérieur ou postérieur, la position occlusale de l'implant, de la prothèse est très importante. L'espace interocclusal est très important. On voit beaucoup de complications dues à un mauvais diagnostic de cet espace occlusal. C'est-à-dire que les implants sont très, très, très bien posés. Sont très, très bien posés. Et quand on veut poser finalement la prothèse, on voit qu'on n'a pas assez de hauteur. Et donc finalement, c'est un défaut de planification au début. Et ce qui va encore une fois compliquer quelque chose qui paraissait très très simple, qui paraissait très très simple. Oui, il y a des manières de pallier à ça après pause. Enfin, l'objectif en fait, c'était de voir qu'il fallait augmenter cet espace occlusal avant même de poser les implants. Mais il y a une manière de pallier, c'est de passer de la scellée à la vissée. On va voir pourquoi. Alors, au niveau postérieur, toujours la position de l'implant est toujours importante. Mais quand on a un implant en mal position, que faire? Et quand on a aussi un déficit occlusal, que faire? Et c'est pour ça que je trouve ce synoptique assez intéressant, parce que finalement, il nous donne, comme vous le voyez sur l'écran, il nous donne un peu quelles sont les possibilités que nous avons. Alors, lorsque nous avons un bone level, un tissue level, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'étage inférieur, on n'en parle pas, c'est-à-dire qu'est-ce qui va venir dessus? C'est que lorsque vous êtes en bone level et pour avoir une prothèse supra-implantaire bien intégrée, vous êtes obligé de passer par du provisoire. Pourquoi? Alors, le provisoire, il est là, et là, on parle d'antérieur, il est là pour finalement sculpter votre lit marginal, sculpter votre gencive, vous donner la chance de pouvoir réintervenir en deuxième temps et faire épaissir et changer le phénotype dont on parlait tout à l'heure, son épaisseur et ses caractérisations, c'est-à-dire le rendre quelque chose qui n'est pas bien kératinisé, plus kératinisé, etc. Et donc, encore une fois, la meilleure façon de garder tout ce que vous venez de faire, c'est-à-dire cette amélioration, c'est la prothèse vissée et non pas la prothèse scellée. La prothèse vissée, on va dire, est une prothèse plus propre au niveau biologique qu'une prothèse scellée. Vous savez pourquoi? À cause de la diffusion du sémen, je vais pas dire qu'on ne peut pas maîtriser, mais difficilement maîtrisable. Dès que vous avez une limite du pilier qui va au-delà du 1 mm, 1,5 mm, pour aller chercher ce ciment de scellement et pour aller essuyer tous ces ciments de scellement, c'est difficile. Même sous anesthésie, parce que déjà vous travaillez à l'aveugle, vous êtes en sous-gingival, c'est quelque chose de très difficile. Donc pour moi, la prothèse vissée est cette prothèse propre qui permet en fait de respecter la biologie quand c'est cassé la tête à bien asseoir. Donc finalement, faire un beau deuxième temps, faire un beau épaississement de la gencive et finalement venir et poser une prothèse scellée, c'est un peu revenir en arrière. Maintenant, pour poser la prothèse vissée, le souci de la prothèse vissée aujourd'hui, c'est la position de l'implant. Quand je dis souci, aujourd'hui,
il y a des systèmes, et ça va être de plus en plus répandu, qui ont quand même ce qu'on appelle des T-bases pour visser qui sont angulés. Donc, même si vous avez un implant qui est mal positionné ou pour une autre raison qui est plus anatomique, vous devez avoir un T-base, c'est-à-dire un pilier pour transvisser qui est angulé. Vous avez ce choix-là au niveau de certains systèmes. Je sais que tous les systèmes s'y mettent depuis pas mal de temps. C'est juste une question de marché marocain. Pas que les fournisseurs ne veulent pas, j'ouvre vite fait la parenthèse, c'est pas que les fournisseurs ne veulent pas, c'est que, vu que je vis pas mal avec eux, etc., je sais qu'il y a une question d'enregistrement, etc. Moi, bref, il y a aussi que demande le marché. N'oubliez pas que le marché marocain au niveau implantaire, il n'y a pas de mal à parler de ce genre de choses. Le marché implantaire marocain est un petit marché quand même par rapport au reste du monde, et que nos fournisseurs locaux ont les mains liées à cause de des besoins, parce que c'est nous qui devons créer ce besoin. Plus on va être plus nombreux à demander de l'accastillage varié pour de la visser, plus on va avoir ce choix. Plus on va rester cloîtré dans la scellée, plus on va rester lié avec la prothèse scellée. C'est aussi simple que ça. Donc, au niveau postérieur, par contre, quand c'est toujours le même principe, implant, position idéale, on va être dans la vissée. Implant mal positionné, on est obligé d'aller sur des angulations un peu spéciales, etc. Et c'est là où on va aller soit vers des piliers personnalisés avec des angulations spécifiques au cas devant lequel nous sommes, soit on va aller à l'accastillage en série, c'est-à-dire prendre un pilier angulé et de le donner au prothésiste. Le prothésiste va finalement le tailler pour arriver à l'angulation idéale. Et c'est ça la fragilité de la prothèse supraimplantaire scellée, c'est que lorsque le prothésiste taille, je ne blâme pas les prothésistes, sont obligés de le tailler parfois, on perd beaucoup de cette surface de rétention, on perd beaucoup de l'intégrité du pilier. C'est là où on a parfois des fractures de pilier, des dévissages, etc. Et surtout du dessèlement très récurrent, parce que toute la surface au niveau, la surface de rétention a été diminuée gravement. Bien, tout à l'heure, j'ai parlé de l'occlusion, etc. Vous voyez ici au centre que finalement, lorsque vous avez une situation par malchance, vous n'avez pas fait attention ou quoi que ce soit, vous avez une négression, etc. Vous avez un espace interocclusal très très limité. Ben, c'est très simple, vous ne pouvez pas faire de la scellée parce que la scellée, elle demande une certaine hauteur du pilier pour pouvoir avoir cette rétention-là. Et donc finalement, on revient sur de la vissée qui, elle, permet d'avoir des piliers un peu plus courts, un peu plus courts. Et donc, elle peut au moins s'intégrer au niveau de cet espace réduit occlusal. Bien, alors, premier cas au niveau antérieur, j'ai appelé ça antérieur issues, c'est-à-dire que quels sont nos challenges finalement au quotidien au niveau antérieur. Ça, c'est un cas qui date pas mal de temps, c'est un bridge collé qui date depuis longtemps, ça se voit, il vieillit mal, etc. Et on veut tout simplement restaurer cette prothèse antérieure. Alors, premier diagnostic que faire, c'est quand on enlève le bridge, ben c'est simple. Revenons à ce que j'ai communiqué tout à l'heure, la biologie. Qu'est-ce qu'elle dit, la biologie? Ben, elle me dit qu'au niveau gingival, j'ai un bon tissu kératinisé. J'ai des papilles. D'accord? J'ai des papilles. J'ai un défect au niveau volume. C'est-à-dire que sur cette vue-là, vous allez voir que finalement, j'ai un défect au niveau volume. Alors, directement après, la pensée, qu'est-ce qu'elle dit pour simplifier les choses? Ben, je vais aller voir les pics osseux. C'est très, très important d'aller voir ces pics osseux-là. Est-ce qu'ils existent ou pas? Ces pics osseux sont les garants d'avoir des papilles. Et s'ils sont là, il faut les préserver. Et pour les préserver, là, c'est au niveau de la chirurgie où ça va se passer. C'est-à-dire qu'au niveau de votre incision, il faut surtout ne pas toucher cette papille-là. Parce que dès que vous allez faire un lombo plus grand, vous allez finalement ouvrir et vous allez exposer les pics osseux, un et deux. Vous n'êtes pas sûr de remettre les papilles à leur place, et surtout, vous n'êtes pas sûr de la revascularisation de ces papilles.
Et on le sait scientifiquement, on le sait, dès que nous allons ouvrir, nous avons une résorption physiologique, normale. D'accord? Donc, automatiquement, dans ce cas-là, il faut surtout pas ouvrir. Et c'est pour ça que, au niveau de l'incision, vous allez voir que on a laissé les papilles sur place et on est venu chercher vraiment jusqu'il nous faut au niveau du milieu, au niveau du milieu de notre édentement. Et au-delà des dents, oui, on peut aller chercher à élargir notre lambeau. Pourquoi j'ai besoin d'un lambeau là? Parce que tout à l'heure, je vais vous montrer que j'ai un défect. Automatiquement, j'ai une concavité que je dois obligatoirement greffer ou là épaissir. D'accord? Donc, nous posons l'implant. L'implant, pas besoin de revenir sur ça. L'axe implantaire doit être dans l'alignement des cingulums des dents avoisinantes, bien sûr, à condition que ces dents soient dans leur vrai couloir prothétique, ou plutôt dentaire, puisque ce n'est pas des prothèses. Plutôt dentaire. C'est là où on va respecter finalement cet alignement. Lorsque vous êtes avec des dents à côté qui sont chevauchées ou plutôt versées antérieurement, etc., vous n'allez pas les suivre. Il faudra remettre l'implant par rapport à la prothèse. Et c'est tout l'intérêt de faire ce qu'on appelle des projets prothétiques, des mock-ups, etc., que ce soit virtuel, que ce soit analogique, pour pouvoir poser l'implant par rapport à une prothèse qui s'intègre complètement par rapport au cas. Donc, au niveau mésiodistal, l'implant, est-ce qu'il est au milieu ou pas? Ça, c'est important. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que la position mésiodistale de l'implant doit toujours être dictée par le zénith de la prothèse et non pas par l'édentement. Parce que qu'est-ce qu'on cherche? Quand vous avez des dents carrées, il n'y a pas de mal à avoir l'implant au milieu de l'édentement. Parce que le point, c'est quoi le zénith? C'est le point le plus cervical de votre prothèse. Et donc finalement, le point le plus cervical de cette prothèse, quand la dent est carrée, il est au milieu. Donc votre implant, il est au milieu. Par contre, lorsque vous avez des dents triangulaires avec un zénith qui est plutôt distal, que ce soit à gauche ou à droite, c'est toujours le même principe. Il est distal. Vous ne pouvez pas demander au prothésiste de vous donner une dent triangulaire tandis que le pilier, il est au milieu. Vous êtes obligé d'aller chercher à distaller votre implant pour que le profil d'émergence vienne de ce zénith-là et finalement respecter la forme des dents avoisinantes et avoir une prothèse qui est biomimétique et qui respecte les dents avoisinantes. Ça, c'est très important. Enfin, le lambeau, il est là. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, j'ai une très faible corticale, biologie 2 mm. On rigole pas avec ça. Hop, on ramène de l'os de forage avec lequel on peut ramener de l'os de substitution, quelle que soit sa nature. On ne sait pas le sujet du jour. Et on va ramener, on va épaissir complètement cette table vestibulaire, d'accord? Et ensuite, rabattre notre lambeau, membrane, pas membrane, je n'ai pas envie encore une fois de débattre sur ça. L'essentiel, c'est que la réflexion soit là. Et finalement, dans une réflexion globale, cette petite frénectomie, elle va permettre tout simplement de diminuer la tension sur mon lambeau. Donc, je donne plus d'élasticité à mon lambeau que je viens de fermer et j'enlève toute contrainte qui va faire que cette gencive, à la place de venir vers la prothèse, d'être tout le temps en rétention, d'être tout le temps en tension plutôt et être tributaire de cet équilibre musculaire finalement et frénal entre mes sutures, d'accord, qui logiquement ne doivent pas être sous tension. Et final et les freins le frein labial. Donc, après cicatrisation, vous voyez bien que nous sommes très très loin du défect que nous avons créé tout à l'heure, qui était là au début, d'accord? Cette cicatrice, malheureusement, elle est là à cause de mon lambeau, d'accord? De mon lambeau, chose que je vais pas dire que je ne prévoyais pas du tout. Bon, elle est là. Dans ce cas-là, encore une fois, quel est le challenge? Ligne du sourire, ligne de transition. C'est-à-dire que si finalement, j'extrapole par rapport à ce cas, si finalement ce défaut-là n'est pas visible
dans une ligne de serrurerie. Ah, c'est pas le souci. Maintenant, c'est illisible, vous pouvez toujours retoucher ça au laser, etc. C'est très facile à, aujourd'hui, c'est très facile à camoufler une cicatrice comme ça. Très, très facile. D'accord? Et tout cela me permet finalement d'avoir une bonne ostéo-intégration. Non, une bonne intégration. Et non pas ostéo-intégration. Une bonne intégration de mon complexe prothético-implantaire, d'accord? Un bon profil d'émergence, un bon galbe et quelque chose qui va être pérenne et qui va rester dans le temps. Parce que j'ai mis tout ce qu'il faut pour une bonne gencive kératinisée, un implant qui est dans un bon lit osseux, etc. Deuxième cas antérieur, et c'est les cas qu'on reçoit le plus souvent, c'est des anciens ilécors, c'est des anciens ilécors qui cassent. Sauf que l'ilécor, quand il casse avec la racine. Et quand il casse avec la racine, c'est des racines à extraire. En général, c'est des fractures verticales. C'est des racines à extraire. Et la question est comment manager finalement cette table osseuse qui, on le sait très très bien, est très très fine au niveau antérieur et est-ce que finalement l'extraction est valable ou pas? Et c'est là où l'intérêt de ce qu'on appelle le SACTshield, c'est-à-dire cette technique qui est de plus en plus répandue, qui est de plus en plus répandue, qui consiste à finalement laisser un volet vestibulaire de la racine, d'accord? Pourquoi? Pour que tout simplement, ce galbe-là que vous voyez, je suis en train d'y mettre la flèche, ce galbe-là que vous voyez ne puisse pas être perturbé. Maintenant, la difficulté de ces cas-là, c'est comment extraire. Et ça, franchement, il n'y a pas de miracle. C'est de l'entraînement, c'est de. Tu fais le premier cas, ça se passe plus ou moins bien, tu fais le deuxième cas, et puis voilà. Plus tu en fais, plus ça va aller. Donc finalement, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la racine là qui est complètement rasée, mais avec un morceau qui manque. Ce morceau-là, c'est le morceau vestibulaire qu'on laisse sur place. D'accord? Qu'on laisse sur place. Et c'est le seul garant, d'accord? Lorsque vous faites l'extraction, là, vous voyez que j'ai coupé, j'ai. Comment dire ça? J'ai mobilisé la racine, je la sors juste un peu pour vous montrer, je prends la photo juste pour vous montrer que je laisse le côté vestibulaire, ok? Et j'enlève tout le reste. Ce qui permet finalement de garder un bon petit morceau de la racine inerte, bien nettoyée s'il vous plaît. Inerte et bien nettoyée. Vous voyez bien qu'il est tout blanc. Au niveau hauteur, on va aller chercher à le diminuer comme ça. Il ne sort pas de la gencive, c'est tout à fait normal, parce que la racine que vous avez enlevée, elle était juxta, peut-être parfois même supra-gingivale. L'intérêt du SACTshield, c'est d'avoir un morceau qu'on ne voit pas. Donc, il faut aller le diminuer un peu. Diminuer aussi de son épaisseur et surtout enlever toute trace de tissu organique qui pourrait être liée à une pulpe qui était nécrosée ou autre. Bien. Alors, au niveau de la table osseuse, vous voyez que désolé, la qualité est un peu pas top, mais vous voyez que la table osseuse ici est presque inexistante. Bref, vous avez compris que cette fine corticale, lorsque vous allez extraire cette dent, vous risquez de passer d'un cas de, si je sais pas si vous connaissez la classification de Hélion, d'un cas de type 1 à un cas de type 4. C'est-à-dire que finalement, casser une table vestibulaire comme ça, vous allez passer d'une possibilité d'extraction implantation immédiate à une préservation de crête et finalement votre implant, vous allez le poser peut-être 6 mois après. Pose d'implant dans la même séance, bien sûr, l'implant au niveau antérieur est toujours plus palatin. Il est toujours plus palatin. Et donc, j'appréhende la question, est-ce que l'implant touche la racine, etc. Non, l'implant ne touche jamais la racine. Pourquoi? Pas parce qu'on le veut, parce que la position idéale de l'implant devrait être que l'implant ne touche pas la racine. Si votre implant touche la racine, ça veut dire que votre implant est vestibulé et donc il est en mal position. Parce que votre implant, normalement, son point d'émergence, il est singulaire. D'accord? Donc, l'arrière, j'aime que le vestibulaire. Donc, finalement, logiquement, vous n'allez pas toucher ce morceau de racine. Et l'espace entre votre implant et ce morceau de racine va être comblé naturellement par du sang qui va être, bien sûr, à long terme, qui va être recolonisé par des ostéoblastes et vous aurez tout simplement un tissu osseux tout autour de votre implant.
Donc voilà la radio post-opératoire, d'accord? Deuxième souci, et c'est pour ça que j'aime bien ce cas, je suis désolé de la qualité de cette photo-là, parce que je n'avais pas mon appareil, je me rappelle très bien, j'ai pris ça juste avec un téléphone rapidement. Mais l'essentiel, c'est le message que je vais vous donner. La deuxième issue avec ce cas-là, c'est que, vu que la dame, pour une raison ou une autre, avait une dent plus grande que l'autre. Et donc finalement, nous sommes en restauration inesthétique. Et donc là, je passe au digital, où je pouvais le faire analogique, mais c'est plus simple. Vous voyez que j'ai une différence de diamètre mésio-distal entre les deux dents. Et donc, quel que soit l'effort que j'ai fait au niveau premier étage, on va dire, c'est-à-dire osseux et tissulaire, au niveau prothétique, je vais donner quelque chose qui ne va pas du tout. Et donc là, je demande à mon prothésiste de me faire un simple mock-up. Un simple mock-up. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire du composite injecté, une facette composite injectée sur la 21 et une couronne tout en composite sur un pilier provisoire, d'accord? Et c'est ce que vous voyez, c'est une coiffe en pique qui est assise sur un pilier, un abutment one piece au niveau de l'implant pour que tout simplement remettre les proportions à leur place et guider ma cicatrisation gingivale tranquillement, tranquillement. Vous voyez très bien que la place de la provisoire est quelque chose d'hyper important lorsque vous êtes dans des cas d'esthétique. Vous ne pouvez pas passer de la pose de l'implant à la vis de cicatrisation à la définitive. C'est pas possible. Il faut passer par une provisoire pour shaper tout ce qui est gencive, pour voir quelles sont les difficultés que vous aurez prothétiquement. Ça, c'est très important. Et cette photo-là, je la trouve extraordinaire. C'est tout simplement vous montrer, ça, c'est mes provisoires. Et je suis en train de vous montrer ce galbe-là. Voilà, qui est tout à fait naturel et qui n'a pas bougé d'un iota grâce à ce sac shield. Vous voyez? Je ne sais pas si au niveau des formations esthétiques, on vous parle toujours de bananes, on vous parle toujours de vol d'oiseaux, etc. Ben c'est exactement ça. Et imaginez que si j'avais fait l'extraction, pour manager tout ça, je serais passé, encore une fois, d'un cas simple à un cas complexe. Par contre, avoir prévu à l'avance que cette extraction allait me casser l'attache vestibulaire à 80%. Et donc finalement revenir à ces dégreffes. Le problème des greffes, c'est que oui, on les maîtrise très bien, mais on ne maîtrise pas le volume des greffes. On ne peut pas maîtriser à quel point cette greffe va être réussie. Par contre, la nature, tant qu'elle est stable, tant qu'on la respecte, elle reste la même. Donc c'est ça ce qui est intéressant dans cette approche-là, le sac shield. Voilà. Deuxième possibilité, troisième plutôt difficulté qu'on va simplifier encore une fois, c'est les agénésies au niveau antérieur. Les agénésies au niveau antérieur, on en trouve pas mal au niveau latéral, mais parfois aussi au niveau des canines. Alors, au niveau des canines, ou la latérale, c'est le même principe. Le souci après un traitement ortho, c'est que, enfin, souci. Logiquement, il est dépassable, mais en général, on a un espace interdentaire assez réduit qui, de un, nous donne une difficulté chirurgicale et de deux, nous donne aussi une difficulté prothétique. Alors, la difficulté chirurgicale, c'est que nous devons poser un implant qui, normalement, en général, on choisit des narrows, c'est-à-dire des 3.0. Quand je dis 3.0, tout ça dépend de votre système. Hein. Ça peut être du 3.2, ça peut être du 2.8. Bref, ça dépend du système avec lequel vous travaillez. Mais en général, on est dans une moyenne de 3 mm. D'accord? Et donc, aller chercher un axe implantaire entre ces racines-là. D'accord? Sans toucher les racines, sans toucher l'espace biologique des racines, c'est-à-dire leur dressement dentaire, etc. Et en même temps, avoir un implant qui soit le plus respectueux de votre axe prothétique. Ça sert à rien de bien éviter les racines et d'avoir des implants qui sont complètement vestibulés. Parce qu'après, vous allez avoir une complexité prothétique énormissime.
Et ça sera difficile d'aller chercher des angulations pour remettre des couronnes et on est en intérieur. Tout petit détail va faire que vous allez vous ramasser. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a choisi? Ben, c'est très simple. On part en digital. Et quand on parle en digital, on va aller chercher un guide, tout simplement, qui va nous permettre de passer de l'état provisoire, d'accord, à l'état définitif, tout en respectant le bon emplacement des prothèses. Le bon emplacement des prothèses. D'accord? J'avance parce que logiquement, j'avais une vidéo de guide, je pense qu'elle a sauté. J'en suis désolé, mais vous avez compris le principe. Donc, voilà mes deux implants, encore une fois. La 13 et la 23, c'était la 13 et la 23. Très, très petit, très, très petit espace. Encore une fois, l'incision, regardez bien l'incision. Je ne touche pas mes papilles, je les laisse tranquilles, que ce soit au niveau droit, au niveau gauche. Pourquoi me compliquer la situation? C'est ça le principe de cette conférence. Ne vous réfléchissez à tout avant de prendre le bistouri. Et encore une fois, ici, bon, le cas devait avoir une frénectomie. Vous voyez bien que le frein labial, pardon, est assez épais. Et donc, au passage, un petit coup de bistouri et la chose est réglée. Donc, ici, vous voyez mes forêts pilotes au niveau 23 et 13. Et vous voyez mes implants, c'était des 3-0. Je me rappelle très bien, 3-0 sur 12, je pense. Ou 14, je ne sais plus. Mais c'était de 3-0 sur les deux. Sur les deux dents manquantes. Et là, vous voyez ma 23 qui est très très bien intégrée à sa place et aussi ma 13 qui est aussi très très bien intégrée à son emplacement. Tout ça grâce au positionnement que la chirurgie guidée m'a permis parce que j'ai posé des implants en respectant l'axe prothétique d'abord, ensuite en respectant les dents avoisinantes ensuite et toute cette bonne position permet d'avoir un succès biologique autour de mes implants. La malposition implantaire est la source de tous vos problèmes au niveau rose. Ça, c'est inéluctable, c'est la science, c'est comme ça. Vous posez un implant dans une situation qui n'est pas valable, vous aurez des soucis au niveau tissulaire. C'est automatique. Voilà, donc le cas dans sa globalité. Et le sourire de la patiente qui est naturel, pas plus que ça. On ne cherche que du naturel. Bien. Alors, passons au côté latéral. Antérieur, on a vu l'esthétique primordiale. Latéral, c'est toujours le même souci, en général. C'est-à-dire des extractions qui datent depuis pas mal de temps. Ou des extractions traumatiques. Vous tous, on extrait des 4 et des 5. Lorsqu'on extrait des 4 et des 5, on a beaucoup de chance à casser la table vestibulaire. Parce que la racine palatine de ces dents-là, lorsqu'ils sont bis, elle est très épaisse, très forte. Et donc, quand on s'appuie pour enlever, la racine vestibulaire cède facilement. Elle ramène avec elle un peu d'os au niveau vestibulaire. Bref, ou sinon, vous faites une belle extraction, sauf qu'avec le temps. Avec le temps, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que la résorption horizontale va prendre place. Et donc, vous avez un sourire qui est là. On a un parsis et juste derrière les canines, ben, ça va descendre, ça va rentrer. Automatiquement, est-ce que j'ai, la question c'est, est-ce que j'ai assez d'os pour poser ou pas? Vous avez toujours assez d'os pour poser. Ce n'est pas le souci. Encore une fois, la complication n'est pas là. La complication, c'est de pouvoir rétablir le même profil, c'est-à-dire avoir le même collet de la 3, de la 4 et de la 5 au même niveau. Et quand je dis au même niveau, c'est-à-dire au même niveau esthétique et à même exigence esthétique. Vous voyez bien qu'à ce niveau-là, si je ne sors pas tout ce volet-là, c'est-à-dire si je ne ramène pas des choses ici, ben les choses vont très très mal se passer pour moi ensuite. Pourquoi? Parce que, un, j'aurai des dents qui rentrent au niveau esthétique quand la patiente ou le patient va sourire, il va avoir des dents qu'on ne voit presque pas. Le prothésiste, lui, va démarrer au niveau palatin, parce que moi, j'ai posé mes implants palatins, et donc va démarrer au niveau palatin et va sortir complètement vestibulaire pour rattraper l'occlusion. Donc, ce qui fait que mes dents vont être complètement en arc comme ça, et c'est pas joli du tout. Si
Si on respecte encore la biologie, parce que, encore une fois, dans notre recherche de fausse perfection, on peut aller demander, encore pire, au prothésiste de me ramener de la fausse gencive pour épaissir, etc. Donc, on va rentrer dans des choses palliatives, mais qui n'ont pas lieu d'être. Donc, la première chose à faire, finalement, c'est de réfléchir ce volume-là, depuis le début. Donc, oui, j'ai besoin d'un volume osseux et tissulaire pour revenir à la norme. Ben, c'est très simple à ce niveau-là. Quel que soit votre degré de compétence chirurgicale, vous pouvez faire osseux ou tissulaire ou ostéo-tissulaire. C'est aussi simple que ça. Donc, au niveau osseux, on va ouvrir. On voit bien, regardez, la table est assez large pour poser des implants. Mais est-ce qu'il sera en bonne position? C'est ça la première question. Deuxième question, même s'ils sont en bonne position, est-ce que esthétiquement, j'ai assez de volume osseux pour revenir à la norme. Donc, dans ce cas-là, j'ai un implant postérieur qui se pose pas mal, j'ai un volume, mais au niveau antérieur, j'ai besoin de ramener quelque chose ici. Donc, dans ce cas-là, j'ai un os spongieux, j'ai une table osseuse assez large. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Moitié-moitié. Je vais poser mon premier implant sans aucun souci. Par contre, le deuxième implant, je vais faire une petite expansion osseuse à ce niveau-là. Petit geste, tout simple, sur place, et qui va me permettre finalement de placer un implant avec un bon volume vestibulaire et placer un autre implant en lui donnant un bon volume vestibulaire et sortir le tout au niveau de la canine pour revenir à un alignement tissulaire qui me permet d'avoir des choses esthétiques. C'est ça le but. Et donc, vous voyez, en fin de chirurgie, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai un implant qui est à sa place et j'ai un autre implant qui a poussé ma table vestibulaire. Bien sûr, ce n'est pas une fracture, c'est une expansion osseuse. Pour les gens qui débutent en implantologie, c'est une expansion osseuse où, sur laquelle nous avons slivé cet os-là et nous avons sorti complètement notre implant, notre table vestibulaire à ce niveau pour finalement retrouver un alignement par rapport aux dents avoisinantes. Au-delà de ça, bien sûr, vous pouvez toujours ramener de l'os de substitution pour améliorer la situation, pour comment dire, exagérer toujours votre greffe. Je dis ça, j'ai eu un moment de silence parce que je me rappelle que je ne sais pas, j'ai entendu cette formation, même pour les orthos. Quand vous êtes pour les orthos, je sais que vous faites toujours de la surcorrection. Et donc, pour les gens qui sont en omnipratique, qui font un peu d'ortho, qui font aussi de l'implantologie, ben quand vous faites de la surcorrection en orthodontie, c'est que vous savez pertinemment que la récidive ne va pas vous donner le choix. C'est-à-dire qu'elle va. Vous, elle va vous mettre un petit pas en arrière. C'est la même chose pour les greffes. Les greffes, plus, je dirais pas plus, vous exagérez, il faut pas trop exagérer non plus, mais plus vous avez cette résorption physiologique en tête, plus vous allez mettre un peu plus qu'il en faut. Pourquoi? Pour que, à la fin de la stabilisation cicatricielle de tous les tissus, vous aurez le bon volume qu'il faut. Donc, on exagère. Bien. Voilà donc nos implants qui ont été posés et par-dessus, ben, tout simplement après ostéo-intégration, tout ce qu'on a, les protéines, les empreintes, etc. Ben, on a deux couronnes qui sont à leur place avec un volume très sympathique, mais surtout, et même là, vous voyez que je pouvais avoir un petit peu plus, c'est-à-dire si je reviens sur ce cas, j'aurais peut-être fait en deuxième intention un petit rouleau, ramener une greffe palatine à ce niveau-là pour juste être sûr d'avoir le volume qu'il faut. Mais de là, je sais que si j'ai pas fait ça, ça veut dire que esthétiquement, j'étais très très satisfait par la situation. Alors, on a vu le souci on a vu le souci du volume. Il y a aussi le souci de volume vertical, toujours. Même chose, des dents fragiles qui cassent. Des dents fragiles qui cassent, des extractions, des fractures, etc. Donc, dans ce cas-là, c'est des cas assez récurrents, c'est des cas assez simples. Mais pourquoi je montre ce cas? Pour une seule chose. J'ai envie de parler finalement de cet enfouissement implantaire. Lombo-extraction, et c'est là où tout se joue.
C'est-à-dire que à ce niveau-là, je n'ai pas de table osseuse. S'il vous plaît, et je parle aux jeunes implantologues, de jeunes implantologues, n'allez pas enfuir votre implant. Surtout pas. L'emplacement de l'implant a été dicté par Tarnot et par la science en général. Le col implantaire doit être à 2-3 mm du collet des dents avoisinantes. Point. Même si vous avez une table vestibulaire qui est plus loin, plus vous enfouissez et plus vous simplifiez votre chirurgie, plus vous compliquez votre prothèse. Parce que le fait d'enfouir cet implant ne va pas faire que vous allez faire disparaître les problèmes. Ça n'a rien à voir. Le fait d'enfouir cet implant, c'est que, un, vous allez chercher une limite, une hauteur gingivale du pilier très basse. Finalement, cet enfouissement va faire que l'os va un peu se résorber en cuve. Automatiquement, vous allez avoir des pics osseux qui sont plus bas, pardon. Automatiquement, vous aurez des papilles qui sont plus basses. Automatiquement, vous aurez des dents qui sont plus longues. Par contre, mettre l'implant où il faut et venir combler, tout simplement. Os de forage, os de substitution, ce n'est pas le problème, mais l'implant doit rester à sa place. D'accord? Pour garder tout ce galbe osseux autour qui est le seul garant d'un galbe tissulaire tout autour de votre prochaine prothèse. Et donc, après cicatrisation, c'est juste ce qu'il faut pour venir asseoir cette prothèse tranquillement, d'accord, dans un très très beau volume tissulaire et le tour est joué. Donc, tout se fait, la simplicité finalement du cas se fait au niveau chirurgical avec la réflexion en amont pour ne pas tomber dans une complexité prothétique qui vient après. Très important. Passons au postérieur. Alors, le postérieur, c'est très simple. Le postérieur, le premier souci au postérieur, je n'ai pas de cas au niveau postérieur mandibulaire parce que on ne peut pas étaler sur les greffes de verticales, etc. Et là. Mais par contre, le sinus, je fais un passage. Le sinus, encore une fois, quelque chose qu'on rencontre pas mal, etc. Voilà, sans vouloir donner trop de détails, le sinus est simple. Le sinus lift doit être quelque chose d'automatique. Non, pas d'automatique. Je suis désolé du terme, il est mal choisi. Mais le sinus lift doit faire partie de votre arsenal chirurgical. Ce n'est pas pour les chevronnés, ce n'est pas pour les expérimentés. Parce que dès que vous êtes dans une approche comme ça, vous allez commencer à poser des implants en mode bêtise. C'est-à-dire que pour éviter des soulevés de sinus, vous allez poser des implants dans des angulations complètement ahurissantes. Et vous aurez des prothèses complètement ahurissantes. Tout simplement. Donc, oui, on se forme et on prend l'expérience pour faire des sinus lift. D'accord? Alors, pour simplifier les sinus lift, là, c'est vraiment un sinus lift de type E1F1. C'est-à-dire que j'ai une très, très faible épaisseur corticale. Et j'ai une fenêtre qui va être très très basse. Alors je choisis de faire finalement une fenêtre crestale et non pas latérale. D'accord? Vous voyez, j'ouvre mon lombo. Et c'est une technique qui est décrite. Hein? Ça n'appartient surtout pas à Rachid. Mais c'est une technique qui est décrite et que je la trouve très très sympathique. Pourquoi? Parce que le fait de prendre cette fenêtre crestale, d'accord? La faire bouger de sa place sans l'enlever complètement et finalement la pousser va me permettre tout simplement de faire une surélévation de membrane simple et sans avoir un contact direct avec cette membrane et diminuer les chances de trouer la membrane. De déchirer cette membrane. Pourquoi? Parce que cette fenêtre-là, c'est un lit osseux sur laquelle la membrane il épouse cette membrane depuis toujours. Et donc finalement, faire cette fenêtre gentiment et venir faire en fait une summers, mais à la place de faire une summers du genre trou, faire une summers du genre table osseuse. Et ça va me permettre de surélever la membrane en toute quiétude, simplifier tout ce qui était complexe. Après,
On va venir combler tout ça, fermer et attendre tout simplement la cicatrisation. C'est tout. Suture, membrane, etc. Et on attend. Et vous voyez mon saut de vide sinus qui est là. Voilà, un sinus vide, sinus plat. D'accord? Et je trouve que cette technique est beaucoup plus simple qu'une technique latérale. Maintenant, encore une fois, cette technique, il faut vraiment, au niveau de votre conbeam, voir au niveau, si vous n'avez pas ce qu'on appelle des cloisons horizontales, des cloisons latérales qui vont finalement vous empêcher de pousser parce que vous allez être soit bloqué en haut, soit bloqué latéralement. Donc, il est très important, la lecture du conbeam au niveau du soulevé de sinus, c'est quelque chose de primordial. Il faut bien chercher ces détails-là qui vont vous rendre la vie difficile. D'accord? Autre possibilité postérieure, toujours en soulevé de sinus, c'est de le faire avec l'implant lui-même. Maintenant, oui, on le sait aujourd'hui, on peut faire une paroi crestale à condition d'avoir du 4 ou 5 mm pour pouvoir déjà assurer la bonne stabilité primaire de l'implant. D'accord? La bonne stabilité primaire est là, de votre implant, et puis pouvoir avoir un tuyau pour pousser. Pourquoi se rendre la vie difficile? C'est simple, la guider. Pourquoi la guider? Je vais vous expliquer rapidement pourquoi la guider. Pour les gens qui savent ce que c'est que la guider et qui travaillent avec la guider, vous avez ce qu'on appelle un offset. Qu'est-ce que c'est qu'un offset? Un offset, je vais aller un peu plus vite, je pense. Un offset, c'est en fait la distance qui existe entre cette bague-là, qui est le haut de la douille, et votre futur col de l'implant. Donc, quand vous êtes en guidé, vous pouvez exactement décider de cet offset-là, c'est-à-dire de cette distance de forage finalement. Donc finalement, si je peux décider de ma distance de forage, donc je peux forer en guidé jusqu'à la corticale sinusienne, c'est-à-dire jusqu'au plancher sinusien, ce qui me facilite l'approche pour faire un soulevé de sinus crestal. Tout simplement, qu'est-ce qui va me rester du 0,5 et qui est facile à fracturer et à surélever, à la place de pardon, à la place de faire du forage partiel, prendre des radios, ensuite voir où est-ce qu'on est, ensuite prendre une autre fois, et à chaque fois avancer millimètre par millimètre, et entre chaque millimètre, vous allez prendre une rétro-alvéolaire. Je suis désolé. La guider à sa place, à exactement sa place. La dentisterie, l'implantologie digitale à sa place dans ce genre de cas. Et donc, comment on va faire? Ben, on va passer encore une fois de la prothèse pour décider depuis le début de notre implant, position implantaire. Je le pose au milieu de ma fosse, déjà. Donc, un, je suis en. Il n'y a pas de porte-à-faux. Je suis en vissé. Je suis en vissé sur parce que j'ai un implant droit, type base droit, bien au milieu de sa prothèse. Tout est bien planifié. Tout est là pour simplifier le cas à long terme. Par rapport à ça, je vais faire mon guide. D'accord? Le guide, lui, comme j'ai dit, je vais voir l'offset qui va me permettre de forer juste ce qu'il faut et venir finalement faire une petite poussée manuelle, tarot, summer, ce que vous voulez. Paf! Je touche le plancher, j'augmente mon sinus et je pose mon implant. Ça peut se faire même en extraction plantation immédiate. Extraction plantation immédiate au niveau postérieur, je suis désolé les amis, en général, il faut chercher à poser dans le septum. On ne cherche pas les alvéoles. Dès que vous êtes dans une alvéole radiculaire, ça veut dire que vous êtes en mal position. Parce que je n'ai jamais vu une alvéole au niveau molaire qui est dans le sens de la couronne. Sinon, ça aurait été des monoradiculés. C'est pas possible. Voilà. Donc, je disais, offset, chirurgie guidée. L'offset, lui, me permet de bien enfouir, ça c'est un porte-implant, de bien enfouir mon implant à la hauteur que je veux, c'est du millimètre, voire même du zé, c'est vraiment très très précis comme chose. Et vous voyez que mon implant, il est au milieu, il est dans le sinus. Regardez, 1, 2, 3, voilà mes alvéoles. Par contre, la guidée m'a permis de le poser au milieu. Qu'est-ce qui se passe ensuite?
On rentre dans la dentisterie digitale, des outils qui vont permettre d'aller plus loin, des vis de cicatrisation spéciales qui vont permettre d'avoir un profil d'émergence spécial. Je vais aller plus loin, je veux mettre une couronne, je veux mettre une mise en charge immédiate provisoire. Je mets un pilier provisoire sur place. J'ajoute encore, on est encore dans la guide, dans la dentisterie digitale, sur place, le patient est encore sur place, les amis. Je prends une empreinte sur cette vis de cicatrisation, d'accord? Et ensuite, je vais concevoir une dent provisoire, d'accord? Où l'intrado va venir et se fitter facilement sur ma prothèse, sur ma vis de cicatrisation pilier provisoire, d'accord? Et vous voyez que ma provisoire, elle est là, elle a bien shapé, elle est là, elle vieillit bien. J'enlève la provisoire, je retrouve ma vis de cicatrisation, d'accord, qui était aussi, mais surtout ce que je veux vous montrer ici, tenez-vous bien, regardez-moi ce galbe vestibulaire, d'accord, qui a été maintenu grâce à la forme de la vis cicatrisation, grâce au positionnement de l'implant, grâce à ma provisoire que j'ai conçue sur place, donc finalement grâce à ces outils qui me viennent de la dentisterie digitale. Je n'ai fait ni greffe, ni geste tissu mou, ni rien du tout. Que des outils que j'ai à côté, une bonne réflexion. C'est pour ça que intégrer la dentisterie digitale, les amis, est quelque chose de très, très important parce que ça me facilite la vie. C'est pas pour rendre les fournisseurs plus riches, ça me facilite la vie. C'est aussi simple que ça. Après, je ne fais même pas bouger cette vis de cicatrisation parce qu'elle fait objet de scan body, c'est-à-dire de transfert digital. Je reprends une autre empreinte. Au niveau prothétique, mon laboratoire va tout simplement prendre cette forme-là. Et ça va être la base de ma future couronne. Donc finalement, ma couronne, qu'est-ce qu'elle va? Elle va venir se fitter exactement dans le profil d'émergence que ma vis de cicatrisation a créé. Et c'est ça la magie de la dentisterie. Tout le workflow est simple. Imaginez que ces vis de cicatrisation, je ne l'ai pas dévissée depuis le jour de la pose de l'implant jusqu'à la pose de la couronne. Et regardez cette facilité, cette simplification du workflow qui normalement devrait être plus compliqué que ça, c'est-à-dire vis de cicatrisation, ensuite provisoire, galber le profil, prendre les empreintes et trouver une ingéniosité pour donner le profil d'émergence aux prothésistes, etc. Et vous voyez que voilà mon profil d'émergence, voilà mon implant et cette prothèse qui va venir paf, se poser, qui respecte ce profil d'émergence, qui a pris tout simplement 3-4 mois pour mûrir. Et c'est une vissée propre avec une cheminée qui est au milieu de ma dent. Voilà. Avant, pose, cicatrisation et couronne sur place. Voilà l'implantologie digitale en général. D'accord? Pour aller plus loin, comprendre que ce genre d'outils, ce genre de choses permettent vraiment de gagner beaucoup d'étapes post-chirurgical et permettre surtout, regardez-moi, moi j'adore cette photo, la vérité, j'adore cette photo parce qu'on voit vraiment une maturation gingivale, zéro saignement, on voit même les vénules, on voit tout ce qu'il faut. C'est vraiment vous donner une idée sur la maturation gingivale. Quand on s'arme avec des outils avancés, des choses, ça permet vraiment de faciliter la vie, mais un point extraordinaire. Alors, les foulards, pour finir. Donc, pas longtemps pour finir les foularches. Le partiel, bon, c'est, on va dire, de l'unitaire qu'on va multiplier, etc. Mais le foularche, lui, c'est vraiment un autre monde. C'est l'édenté total dans notre monde. Je pense que j'ai deux cas à vous montrer. Le premier cas, c'est on part d'une bridge, un ancien bridge, d'accord. On va vers une réhabilitation. Alors, la complexité de la chose du foulard, c'est les références. Et pour moi, les références, c'est les références DVO et les références occlusales. Donc, s'il vous plaît, les amis, quand vous avez un cas comme ça, ne vous posez, n'allez pas vous acharner à extraire, etc. Non, non, non. L'acquisition. Prenez toutes les données possibles sur le cas lui-même. Prenez toutes les données possibles, photos, empreintes, et on va planifier. On ne touche pas au patient. On va planifier. Qu'est-ce qu'on va planifier? Ben, on va planifier notre futur projet prothétique. Dans ce cas-là, ces dents-là, finalement, oui, ils sont moches, mais j'ai une bonne DVO.
J'ai une occlusion, je ne vais pas dire stable, mais elle est ce qu'elle est. Donc, c'est une référence. C'est une référence. Donc, je vais démarrer et c'est mon projet prothétique. Parce que moi, oui, on va tout extraire, mais finalement, je vais remettre les mêmes proportions dentaires, mais en améliorant l'esthétique. D'accord? Et en améliorant certains positionnements. D'accord? Donc, c'est mon projet prothétique. Et donc, ma planification, elle, pour un allant fort, par exemple, sur ce cas-là, ben, je vais démarrer tout simplement de ce projet prothétique. Donc, voilà mes quatre implants avec, s'il vous plaît, les angulations qu'il faut pour respecter les protocoles en allant fort, c'est-à-dire j'ai du 30 degrés, j'ai du 17 au milieu et j'ai du 30 degrés au niveau distal. De l'autre côté. Et à côté, je prends un STL, c'est-à-dire une empreinte numérique, et tout ça va aller au niveau des logiciels pour tout simplement faire ressortir, s'il vous plaît, ressortir les axes prothétiques au milieu de mon futur couloir prothétique. C'est ça la planification digitale. C'est ça la chirurgie guidée. C'est pas pour poser les implants. C'est poser les implants à la bonne angulation et avoir des axes prothétiques au milieu de mes futures dents. Ça me sert à rien de oui, on peut poser, on peut poser à l'aveugle, on peut extraire et faire des extractions en plantation immédiate sans problème. D'accord? Mais pour pouvoir sortir un parallélisme entre ces axes prothétiques, je ne parle pas des axes implantaires, je parle des axes prothétiques, pour sortir un parallélisme entre les axes prothétiques, pour respecter le couloir prothétique et avoir des vis à l'intérieur de la prothèse et non pas en vestibulaire, un dans une embrasure et je ne sais pas quoi, parce que les choses ont été faites. Comme ça, par hasard, oui, vous êtes un bon poseur, mais la prothèse, c'est la prothèse qui décide. Donc, première des choses, je planifie par rapport à la prothèse, je planifie mes futures extractions, mais j'enlève pas tout. Pourquoi? Je vais faire de la guidée, je garde quelques dents pour stabiliser mon guide. Et ensuite, des pinces de fixation pour le futur guide, et à la fin, le guide est là. Et la chirurgie va se passer de manière extraordinaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Au niveau chirurgical, je vais enlever les extractions que j'ai enlevées virtuellement au niveau du logiciel. Tout d'abord, d'accord? On fait toutes les extractions et on garde les dents. Et on garde les dents sur lesquelles mon guide va reposer. Parce qu'un guide supradentaire est un des guides les plus précis. Plus vous avez des dents, plus votre guide est précis. Donc, gardez les dents, les amis, n'extrayez pas tout. Extrayez les dents là où vous allez poser, qui vous gênent au niveau de la pose de vos implants. D'accord? Donc, vous voyez le sourire, les dents qu'on a enlevées, etc. On garde des dents postérieures, antérieures. Pour garder ce guide, on va venir, on va placer les deux guides en même temps. Regardez bien, j'ai le guide supérieur qui est bien en place, bien ancré. Et juste, voilà la vidéo, ben, j'ai le en bas. Donnez-moi 2 secondes. Voilà, j'ai le guide en bas. Tout en même temps. Et voilà, et ensuite, je vais attaquer la pose. Et regardez la panoramique post-pose. Vous imaginez déjà le hollow fort. Vous voyez les angulations qui sont bien respectées. Oui, j'ai assez d'os pour poser plus d'implants. On va pas rentrer dans le débat de la finance. Ça, c'est la patiente qui ne peut poser que 4 et 4. Ça, on va pas rentrer là-dedans. Mais l'objectif, c'est ça. C'est que vous voyez que mes angulations plantaires vous donnent envie de poser tout simplement votre prothèse. Et ça, c'est pas de la magie. C'est de la dentisterie générale. C'est de la planification bien réfléchie, tout simplement. Au-delà de ça, donc là, j'ai parlé de la chirurgie. J'ouvre le volet sur la prothèse après ostéo-intégration. Le problème de la prothèse après ostéo-intégration, c'est la passivité de vos prothèses. La passivité de vos prothèses pose problème. Et c'est elle qui donne tout ce qui est fracture, dévissage, etc. Donc, simplifiez-vous la vie. Je vous montre un cas qui est assez dur chirurgicalement. Je reçois le cas avec ces deux implants-là. Heureusement, je connais la marque, etc. C'est pas le problème. Vous voyez le cone beam. J'essaie d'aller à droite, à gauche. Vous voyez que le nerf en jaune, il va apparaître là. Vous voyez qu'il est vraiment presque en haut. Donc finalement, j'ai pas beaucoup de manœuvres. J'ai pas beaucoup de manœuvres à ce niveau-là. La patiente ne veut pas entendre de chirurgie, de greffe, vertige, etc. Moi non plus, heureusement. D'accord? Pas la peine de jouer au cabinet quand c'est pas possible, quand il n'y a pas de motivation, quand vraiment on peut faire sans. C'est pas la peine de faire des gestes hyper lourds, franchement. Donc qu'est-ce que je décide? Ben, de poser trois autres implants. D'accord? Un entre les deux et deux vraiment en biais entre les trous montonniers et les implants que j'ai sur place. D'accord? Donc, deux distaux et un au milieu. Ça me permet d'avoir cinq implants.
OK? Je pose, ensuite, je prends l'empreinte sur Dimitri Unit. Maintenant, jusqu'ici, tout se passe bien. C'est là où vous savez ça. Mais à partir de là, je vais mettre en provisoire. Et pour moi, la provisoire, pour qu'elle soit réutilisable, réutilisable, il y a trois concepts qui sont très importants. Un, la rigidité de cette prothèse. Il est très important d'avoir une structure rigide à l'intérieur de votre prothèse. Pourquoi? Pour bien distribuer les charges au niveau de vos implants. Quand vous êtes en PMMA seul, il suffit d'avoir une vis qui est beaucoup plus serrée qu'une autre pour que cette vis-là va donner plus de tension que quoi que ce soit et ça va donner des fissures que vous n'allez pas voir, mais qui, à moyen terme, vont donner des soucis mécaniques à l'intérieur, si ce n'est pas la casse de la provisoire. Et ne me dites pas que ça arrive très très souvent. Donc, la rigidité d'une provisoire est quelque chose de très important pour une bonne distribution des forces, mais aussi tout simplement pour garder cette provisoire intacte. D'accord? Deuxième chose, c'est l'occlusion. Et bien sûr, dans le full arch, la biologie a toujours son mot à dire. La biologie en général, c'est un lit osseux bien fait et un bon sertissage des tissus kératinisés autour de vos implants. Alors, pour être passif au niveau de ce cas-là, ben c'est très simple. Je vais ramener une rigidité coupée, c'est-à-dire que je vais ramener des chapes avec des ailettes en titane qui vont en fait se solidariser en bouche. Pourquoi? À la place d'avoir quelque chose de rigide qui va squeezer les implants qui sont déjà ostéo-intégrés, ben je vais ramener une structure rigide coupée, mais qui s'entrelace, d'accord? Et qui finalement va se rigidifier passivement à l'intérieur de la bouche. Comment ça se passe? Mon premier étage, c'est celui-là, c'est les multi-unites. Deuxième étage, c'est cette structure rigide. Troisième étage, c'est la prothèse. Et donc, tout ça va aller en bouche. Je pose ma structure rigide, d'accord? J'ai ma coquille, c'est-à-dire ma prothèse qui est prête, et j'ai mon occlusion à ma DVO qui va scinder tout ça. Donc, je rebase en bouche, je vide au niveau des trous et je demande à la patiente d'occluser. Et donc, finalement, je me retrouve à la bonne DVO, à la bonne occlusion, avec une prothèse qui s'est, on va dire que j'ai assemblé de manière passive à l'intérieur. Tout ça pour éviter les problèmes après. Je dévisse le tout, j'envoie au prothésiste, il me finit tout ça et il me ramène une prothèse bien nettoyée avec les extensions juste qu'il faut. Vous voyez, par rapport aux implants distaux, je suis à une dent et demie, pas plus, même après ostéo-intégration. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Ensuite, je croyais que j'ai été coupé, mais je ne suis encore en live. Donc finalement, voilà ma prothèse. Vous voyez la panoramique après pose de la prothèse. Donc cette prothèse-là, provisoire, est un passage obligatoire. Pourquoi? Parce qu'elle va simplifier la prothèse définitive. Vous ne pouvez pas passer de la pose des implants au définitif sans passer par une provisoire. Ce n'est pas possible. La provisoire va vous... C'est une carte, c'est vraiment une carte. Il y a l'occlusion, il y a les faces d'usure, il y a les facettes d'usure, il y a les casses, il y a tout ce qu'il y a à éviter sur une définitive, vous l'avez au niveau provisoire. C'est pour ça qu'il est important que la provisoire soit bien solide, qui dure dans le temps, d'accord? Qui dure dans le temps et qui soit sous structure rigide. Pourquoi cette structure rigide? Parce que cette provisoire-là, qu'est-ce que je vais en faire? Bah, tout simplement, je vais la communiquer au prothésiste pour la définitive. Et donc finalement, le prothésiste, qu'est-ce qu'il a à faire? Il n'a qu'à embellir ma provisoire et me donner quelque chose de définitif. C'est ça ce qui est intéressant. C'est ça la simplification. Et vous voyez que je suis digital depuis le début. Parce que quand vous êtes en provisoire, en analogique, comment vous allez communiquer à la provisoire? Vous devez faire un duplicata et en fait, vous refaites le travail. Et c'est pas bon. Par contre, en empreinte numérique, bah c'est très simple. Vous scannez et vous envoyez. Je ne vais pas ouvrir le débat sur les précisions. Ça, c'est un autre monde. D'accord? Sur les précisions, etc. Il y a des solutions. Il y a 36 000 solutions et beaucoup de gens sont en train de travailler pour être dans le full digital et on arrive avec plein de solutions. Je ne sais pas si vous avez vu le live de vendredi dernier avec professeur Mehdi et monsieur Mehdi Mohi. Ils en ont parlé. On en parle pas mal parce qu'on est là-dedans, on est dans le digital, on en parle pas mal. Et je pense qu'ils ont, monsieur Mehdi avait
partager des astuces, etc., pour ce souci de précision au niveau empreinte numérique après en passage du provisoire jusqu'à la définitive. Donc, j'envoie le tout au prothésiste. Vous voyez le prothésiste, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est ma provisoire. À l'intérieur de la provisoire, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va dessiner un nouveau bridge, beaucoup plus joli. Et au niveau de ce bridge-là, ben, l'occlusion, elle est là. La DVO, elle est là. La gencive, elle est là. La biologie, elle est là. Tout est là. Moi, je n'ai pris que des empreintes. C'est ça l'intérêt de la provisoire, simplifier la prise en charge. Et pas ensuite, ben, ce bridge-là va être diminué et va donner tout simplement une. Normalement, j'avais des photos qui sont sous cette diapo-là, c'est pas grave. Donc finalement, voilà ce que je vais recevoir. Je vais recevoir une barre en titane, d'accord, usinée avec une coque en zircone et tout ça va être scellé et mis en bouche. D'accord? Et ça vient du provisoire. La position des implants vient des provisoires. La DVO vient des provisoires. L'occlusion vient des provisoires. Tout vient de la provisoire. Et c'est facile. Ça donne un workflow tellement simple et facile. Aïd koum moubarak koum saïd. J'espère que je n'ai pas été assez lent. Merci. Je suis prêt à écouter vos questions. Alors, merci Sirachid pour cette excellente présentation. Donc, vous avez fait le tour comme le nom du webinaire dit simple complexe. Donc, il n'y avait pas beaucoup de questions. Et la première question, il y a le logiciel que vous avez utilisé pour communiquer le plan de traitement, diapo. Si vous êtes modérateur, je ne sais pas si j'ai le droit de communiquer, mais bon, puisque la question est posée, c'est le logiciel s'appelle Dental Master. En fait, c'est une plateforme complète qui permet d'avoir des comment te dire ça, des vidéos explicatives, mais un point extraordinaire, mais en même temps qui permet d'établir des plans de traitement, qui permet de communiquer avec le patient, etc. Donc, ça s'appelle Dental Master. D'accord, c'est Rachid. Donc, j'ai pas beaucoup de questions, mais je sais pas si j'ai le droit de poser des questions, je peux y aller. C'est Intel ou le gars que j'ai le droit, là. La partie le full mount rehabilitation. On parle beaucoup de l'ombre, des implants en l'an 4, en l'an 4, en l'an 6, en l'an X. Mais on parle moins de la répartition des implants. Comment te dire ça? La répartition, en fait, alors il y a le concept Hollandfort, on va dire il y a le reste. Le Hollandfort, il est dicté par, c'est un concept qui est bien établi. Hein. Pour ne pas, pour te répondre rapidement, il y a le côté mathématique là-dedans. C'est-à-dire, il y a un positionnement entre les implants antérieurs et positionnement et les implants postérieurs, ce qu'on va appeler la distance B. D'accord? Et ensuite, il y a une distance entre les implants gauche et les implants droit, et c'est la distance A. Et donc, il y a un ratio à respecter. Il y a un ratio A et B à respecter entre les deux selon la forme de l'arcade. D'accord? Yannick, c'est des choses qui sont bien dictées, c'est des choses qui sont bien dictées, Yannick, la littérature, etc. Donc, le long fort bain. Maintenant, comment les choses se compliquent un peu au niveau de la répartition quand on est en 5, en 6, etc., etc. Quand on est en 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une arcade un peu plus large entre les sinus quand on parle de all.
En général, c'est qu'on a des implants distaux qui sont angulés et qu'on est entre les deux parois antérieures sinusales. D'accord? On est entre les deux parois antérieures sinusales. La répartition générale va se faire au maximum postérieur par rapport à ces parois et les trois implants antérieurs vont être distribués de manière à avoir à peu près les mêmes distances entre les implants. D'accord? C'est juste pour elle. Maintenant, on l'enseigne sous le fork. Si vous voulez, on est presque sur des bridges conventionnels. Quand je parle de bridge conventionnel, c'est-à-dire tu peux poser au niveau central canine prémolaire avec une petite extension, tu peux poser au niveau latéral prémolaire et 6, etc. C'est-à-dire que le nombre est pair. Donc le mouchkil ma bqach. Donc si là on met là, غادي نحطو من هنا. C'est juste que entre l'antérieur et le postérieur, je peux jouer les intermédiaires, c'est-à-dire peut-être qu'ici je vais poser 2 4, 6, mais ici, je vais poser peut-être 2, 5, 6. Et là, parce que la 5 est au niveau osseux est meilleure que la 4. Bêche, pour faciliter finalement de la pose, c'est très simple. Projet prothétique. Il faut faire un projet. Pourquoi? Parce que tu ne poses pas pour poser, tu poses pour asseoir une prothèse. Donc, c'est la prothèse qui va dicter finalement finra les implants. Donc, quel que soit le cas, Jebsnen ou Majebsnen, ou tu as fait une extraction, tu ne peux pas démarrer ce genre de planification si tu n'as pas une idée sur la prothèse, comment elle va être. Bien sûr, le nombre d'implants est dicté par deux choses aussi. Il est dicté par le cas lui-même, mais aussi par le budget du cas. Donc, tout à l'heure, je n'ai pas parlé du budget du cas. Je parle en général. En général, le même cas, selon ce budget, il peut poser 10 implants, 8 implants, 6 implants ou 4 implants. On est d'accord ou pas? Voilà. Mais la répartition du LHC, elle est dictée par une seule chose, c'est la future prothèse. Donc, pour faciliter cette répartition, toujours démarrer avec un projet prothétique et poser les dents dans le couloir prothétique et bien le distribuer à l'arcade finalement prothétique. Tout simplement. Non, parce qu'on voit souvent des limites, on voit, on parle de Hollandfort, alors que le concept de Hollandfort tel qu'il a été décrit par Paolo Maiorino, ben, il est bien avec des titlet implants, avec des angulations que vous citez. Est-ce que le terme, selon vous, est valable? Le terme est valable. Parler de Hollandfort avec des implants, les règles droits, alors qu'en arrière, mécaniquement parlant. Logiquement, non. Logiquement, non. Pourquoi? Parce que tout l'intérêt. Pourquoi je dis logiquement, non? Parce que le temps que les concepts changent et qu'il y ait des descriptions scientifiques, ça prend du temps. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que je vois pas, on voit pas mal de parallèles avec des extensions. OK. Ouais, Maintenant, attention. voilà, c'est ce que Voilà. je voulais Maintenant, dire. attention. Aujourd'hui, c'est les matériaux qui ont changé. Il faut faire, tu comprends? Les matériaux ont changé. C'est-à-dire que, voilà, avant, c'était du framework avec du cobalt chrome, avec du. Aujourd'hui, il y a le titane, il y a le pic, il y a pas mal de choses qui ont plus de ductilité, plus d'élasticité, plus, etc. Donc, le temps que la science rattrape le changement de matériaux, il y a des paradigmes, billah oui, on peut changer les angulations finalement. Pourquoi? Parce que les matériaux ont changé et donc le concept d'angulation et d'extension, les bascules ou les bras de levier comme avant et que le produit, le matériau peut absorber finalement ces forces-là. En attendant, moi je reste quand même sur des choses très scientifiques, très basiques. Moi, mes implants distaux, je les angule toujours. Parce que, malgré le matériau, ce qu'il faut savoir, c'est l'angulation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle absorbe les forces. Imagine que, par exemple, sur les extensions qu'on fait, une angulation de, tiens-toi bien, une angulation de 15 degrés, par exemple, si je me rappelle bien des chiffres de l'étude, l'angulation de 30 degrés, de 15 degrés, elle diminue à peu près 30 des forces. 30 degrés, elle diminue 35. 45 degrés, c'est 75% des forces qui diminuent. Donc, tu imagines, plus on angule, plus les forces
litigieux, elle a l'extension, sont beaucoup plus absorbés. Pourquoi je vais aller chercher un autre paradigme puisque Heda, Bain, scientifique, Mgad ou Mertah. T'as croyé la science, non. Avec ce genre de matériaux-là, avec ce genre-là, oui, vous pouvez finalement poser des implants Heda et l'extension, ça te compte de temps et vous n'aurez pas de problème. Dit que ça, peut-être qu'on va commencer à changer de. Que je vais changer de façon de faire. D'accord, j'ai encore une petite question avant de les questions. Quand est-ce que vous avez vous décidez de faire la céramique ou bien la résine sur le full mount? Je Écoute, c'est parle une bien question de FP1, FP1, FP2, FP1, FP3 FP2. de Casper Fluminense. Alors, quand tu dis FP1, et pour expliquer un peu, Jean, FP1, ça veut dire que, pour faciliter, c'est collé sur gencive. C'est-à-dire que tu n'as besoin que de rétablir le blanc. FP2, tu as besoin de blanc plus un peu de rose. FP3, c'est que tu as besoin de blanc, mais beaucoup de rose. Et pour faciliter la chose. D'accord? Maintenant, plus l'étage tikber, plus la céramique pose problème. C'est aussi simple que ça. Plus l'étage tikber, plus la céramique pose problème. D'accord? Quand on est en FP1, c'est un bridge conventionnel sur un plan. Donc, mais un dish mouchkil, tout matériau est valable. D'accord? Quand on est en FP2, là, on peut passer du préton un peu plus, etc. Préton, c'est la zirconiétrée, etc. C'est ce qu'on appelle la zirconiétrée. Je peux être là. Dès que je suis en FP3, je suis obligé d'avoir une suprastructure. Je suis obligé d'avoir une barre avec une cosmétique. Dès que je suis en barre cosmétique, je ne peux plus parler de céramique, sauf dans un seul cas, c'est les plaies. C'est l'hybride. Michel, il y a le mot. En anglais, c'est quand tu as je suis désolé, c'est quand tu as la barre qui arrive avec sa fausse gencive, avec point de moignon, et tu arrives et tu selles les dents. Voilà, ouais, je sais. Là, je J'ai cherche le cherché mot, le terme parce que molekin. c'est le terme Voilà, chalier, je suis tu dis la désolé. part en La les barre, dents, tu sais. exactement. Donc Ouais. la barre, en fait, elle prend. Cool, c'est d'ailleurs le cas que j'ai montré à peu près tout à l'heure. C'est la barre, elle prend toute la partie tissu mou. D'accord? Et finalement, Ouais. Melfort, Tanjibou, rire la partie dentaire. Ce qui permet en fait de partager l'étage en deux, d'avoir un étage robuste et qui permet de rattraper les axes qui manquent. Et après, le fait de venir sceller les dents va faire qu'on est dans une passivité à double étage. On est dans quelque chose qui peut rattraper une DVO énorme. Et ces cas-là, c'est soit quand tu as des visages lents, soit quand tu as des résorptions. Maintenant, quand tu as posé la question pour te répondre à toi, quand je vais choisir, que je vais choisir, franchement, la barre résine comment te dire ça, une solution très séduisante. Et pourquoi, je vais dire pourquoi. La résine permet en fait de faire beaucoup moins de complications, faire beaucoup moins de, il y a beaucoup moins de casse avec la résine, elle est facilement reproductible parce que si un problème, quand tu as une barre résine, si tu as un problème avec ta résine, tu dévisses, tu enlèves la résine, tu peux réimprimer la résine et le problème est réglé. Par contre, quand tu as des problèmes avec une préto, zircone ou la céramique ou la dame, c'est avec le bridge. Il faut tout refaire. D'accord? Il faut tout refaire. Tu peux avoir un petit shape limcha en bouche, etc. Tu peux mettre juste un composite. Donc, pour remettre les choses dans le contexte cabinet, dans le contexte privé, la barre résine permet en fait de vieillir avec le patient de façon plus simple. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Au-delà du kounax, c'est que tu vieillis plus simple. La prothèse vieillit plus facile, plus simplement. Je ne trouve pas un autre terme. Et toute complication est plus facile à gérer quand tu es en barre résine. Toute complique. Et quelles sont finalement les complications? Une réelle complication de tout ce qui est vissage, casse de vis, etc., etc. Je parle de la complication dite de Gilfort, c'est-à-dire de la prothèse. Si finalement tu terres le bridge ou l'aide, avec la résine, ce problème se pose moins puisque elle est facilement réparable. Elle est facilement réparable.
Et aujourd'hui, avec l'impression 3D, franchement, aujourd'hui, on a des résines juste extraordinaires. Donc, je suis sûr que les choses vont aller de plus en plus vers une barre résine imprimée. Les résines, ce qu'on appelle plutôt les céramiques hybrides. Les céramiques hybrides, c'est une charge résineuse avec beaucoup plus de céramique, c'est de la nanocéramique, etc. On va avoir plus de solutions avec ça. Et donc, finalement, tu gardes en fait ta prothèse, elle est là, tu réimprimes, tu enlèves la première coque, tu rebases la deuxième coque. Donc, finalement, tu as quelque chose, encore une fois, pour la maintenance, c'est beaucoup plus simple. Donc, je suis sûr que dans les temps qui vont venir, ça va être barre résine imprimée. A-t-il les réoulis bizarre? Alors, merci, c'est Rachid. J'ai la question de notre présidente, Dr Nour Rabehi, qui dit, en cas d'agénésie latérale maxillaire, généralement, on est devant une épaisseur fine et une épaisseur fine de l'os. Est-ce qu'il y a moyen à faire un greffe? Oui, alors c'est par rapport au cas tout à l'heure que j'ai montré, la 13 et la 23. Oui, effectivement, en cas d'agénésie, quand l'ortho il ouvre l'espace, au niveau médial et distal, c'est juste ce qu'il faut, mais parfois au niveau vestibulaire lingual, le problème se pose encore plus. Et donc, oui, la Nawal, oui, en général, vous aurez besoin de faire une greffe. Maintenant, est-ce que vous pouvez faire le tout en une séance ou la faire une greffe et attendre la cicatrisation, la plutôt une ROG et avoir une cicatrisation, tout dépend des cas. Mais en général, pour les latérales, on va choisir des narrows, comme j'ai dit tout à l'heure. Pardon, ça veut dire des implants très fins. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que des 3 mm, hein, voire même moins à l'échelle là. Avant, on utilisait beaucoup les One Piece. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Bon, ça existe toujours, les One Piece. C'était des implants piliers intégrés. Et c'était du 2,6, 2,8, etc. Donc, ça permettait en fait de poser vraiment des implants sans se soucier d'elle. Le problème avec ces One Piece, c'est que tu n'as pas d'angulation. Donc, il a marqué blasto, il fallait vraiment le poser dans l'axe prothétique. Donc, pour revenir à la question et lui répondre à la Nawal, oui, dans certains cas, tu as besoin de greffe que tu peux faire en 2 temps ou là que tu peux faire en 1 temps, c'est-à-dire greffe plus implantation, pour pouvoir ramener finalement cette épaisseur osseuse qu'il faut pour la pérennité du cas. Merci, c'est Rachid. Donc, je pense que j'ai encore une autre question. Le docteur Si Mohamed Moussafir, Oui. notre grand ami Si Mohamed Moussafir, il dit, quelles sont les conditions nécessaires pour le bone graft concept? Ma fahem touche. J'ai pas envie de répondre. Ouais, j'ai compris la question, mais je ne sais pas s'il vise quelque chose de très spécial, pour être honnête. Bone growth concept. Mais j'ai pas bien compris la question, en fait. Ou là, j'ai un autre nom pour ce concept-là. Franchement, je suis désolé, Simon Safir, mais bone growth, je comprends que ça parle que c'est une question de croissance osseuse, etc. Mais où là, est-ce qu'il parle de l'expansion osseuse ou la DS? Franchement, j'ai pas bien compris la question. J'ai pas bien compris la question. Je suis désolé. Donc, c'est bon, c'est Rachid. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Là, j'ai une autre question là qui s'affiche. La provisoire, ce don portuaire aura beaucoup d'effets néfastes sur l'intégration et la mobilité de l'implant. Point d'exclamation. Oui, c'est par rapport au cas de mise en charge immédiate. Je suis désolé, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que si la provisoire a des effets néfastes sur l'ostéointégration mobilité de l'implant, une vis de cicatrisation, c'est le même principe. C'est-à-dire que le fait de lier l'implant à la bouche Je pense ou à la mastication avec une vis de cica ou là avec une provisoire ou là avec quoi que ce soit, d'après, je reviendrai sur comment utiliser cette provisoire. Le fait de le lier à la bouche va faire que cet implant sera automatiquement lié aux forces masticatoires, etc. C'est ça la question. C'est-à-dire que beaucoup néfastes. Non, la mise en charge immédiate, si elle avait un effet néfaste, on n'aurait jamais utilisé la mise en charge immédiate. Parce que là, on parle de mise en charge immédiate.
Maintenant, la mise en charge immédiate, postérieure, antérieure, latérale, complète, etc., elle a des règles. Elle a des règles sérieuses. Première des choses, bonne qualité osseuse. Deuxième des choses, bonne stabilité primaire. Troisième des choses, c'est la provision que vous posez doit être très, très bien réglée occlusalement. Et surtout, si vous êtes en édentement encastré, vous la mettez en sous-occlusion, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Maintenant, quand vous avez un implant mal positionné et que vous ramenez en mode provisoire un angulé avec un ciment de serre, ouais, c'est normal qu'il y aura des difficultés. Normalement, provisoire mise en charge immédiate, ça veut dire que votre implant est bien positionné, vous êtes en provisoire vissé, etc. Et ça permet tout simplement de bien galber, etc. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de le faire? Non, on n'est pas obligé de le faire. Le cas a été fait comme ça pour une question pédagogique, pour montrer jusqu'à quel point on peut aller au niveau de la mise en charge immédiate grâce à la dentisterie digitale. Si tu me demandes est-ce que je fais ça tout le temps dans mon cabinet, non, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de faire ça. Mais dire que la provisoire au niveau postérieur a un effet néfaste sur l'ostéointégration, non, je suis désolé, c'est faux. Ce qui va avoir un effet néfaste sur l'ostéointégration et la mobilité de l'implant, c'est une mauvaise position d'implant, une mauvaise stabilité primaire. Au Fokmanechi, oui, tu as fait une mise en charge immédiate et avec une provisoire que tu as mal réglée. Oui, là, tu ne respectes plus la charte de la mise en charge immédiate et automatiquement, tu auras des soucis. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il faut éduquer aussi le patient, c'est-à-dire que si tu es un patient, tu ne peux pas lui faire une mise en charge sur une provisoire, sur place. Il faut savoir que cette provisoire est là pour une raison peut-être esthétique, sourire large, etc., ou lécher à jacquard. Il doit savoir qu'il doit éviter de manger dessus, etc. Ou, voilà. Mais il n'y a pas de... Respecte la charte mise en charge immédiate, tout se passe bien au niveau de cette intégration mobilité. Vous êtes à la recherche de la meilleure formation professionnelle en matière de santé? Des cours en ligne ou en présentiel? Des ateliers pratiques, des conférences, des congrès, mais aussi des symposiums, des webinaires et bien plus encore? BK Med Events est la meilleure plateforme de connexion entre les professionnels de la santé et les acteurs de la formation continue. Sur la plateforme en ligne de BK Med Events, vous allez retrouver tout ce qu'il vous faut. Des prestataires du monde entier réunis en un seul endroit. Et si vous êtes des prestataires de la formation continue, nous avons une bonne nouvelle pour vous aussi. Juste restez focalisés sur votre programme scientifique et BKMed Events se charge du reste. De l'inscription des professionnels de la santé à la remise des attestations en passant par une campagne de communication professionnelle pour mettre en valeur vos projets. Merci encore une fois, Séraphite. Avant de clôturer, je voulais que tu partes là avec Séraphite. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous. Voilà, je voudrais aussi remercier les confrères, les consoeurs, les camarades, pendant quand même, juste ouais, tu partes là. Merci, MHPA. Et j'aimerais aussi donner rendez-vous les prochains webinaires. Les candidats. Chaque mois, à partir de mai, Inch'Allah, environ, je pars pour la réponse, la réponse. C'est à mon tour de te remercier à Céleste, merci à la MPBD, merci à toutes les personnes qui sont restées. C'est vrai que ça fait 2 heures qu'ils sont restés jusqu'à la fin avec nous. Encore une fois, la MPBD, notre école, on est toujours attaché à cette association pour tout ce qu'elle fait de bien au niveau de la dentisterie, au niveau de la prévention, au niveau de la formation de ses cadres, etc. La dernière fois, on était ensemble à Blimelin, ça m'a fait vraiment plaisir de voir des gens que j'ai pas vus il y a très longtemps, l'école des cadres de la MPPD. Bref, tout ça pour vous dire que
on est avec vous, la MPB département Bratna, on est là pour partager, pour vivre des moments de partage entre confrères d'abord, et pour des choses scientifiques s'il le faut, etc. Merci encore une fois, c'est la série. Merci à tout le monde et je vous dis encore une fois, Eid Moubarak Saïd et à la prochaine.